Nous nous rendons aujourd'hui à Ver-sur-Marne, une petite ville de Seine-et-Marne où de jeunes basketteurs se rassemblent pour s'entraîner avec passion. À près d'un an des Jeux Olympiques, tous les espoirs sont permis. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rencontrer l'entraîneur principal. Bonjour, je suis David Lino, président du club de basket de Vert, entraîneur aussi de l'équipe senior. Et occasionnellement, j'aide aussi à entraîner les autres équipes comme les U15 ce soir. C'est important de travailler tous les aspects du basket, que ce soit la partie échauffement, puisque le corps a besoin d'être travaillé. L'entraînement à Vert est varié et complet. Les jeunes joueurs se concentrent sur des exercices de dribble, de tir et de passe sous l'œil attentif des entraîneurs. On va travailler un petit peu la partie technique et on travaillera l'aspect tactique. Un exercice, donc ça permet de travailler les passes et le déplacement et après de marquer dans la course. C'est basique, mais c'est bien pour apprendre les bases. On va faire des exercices en course pour travailler les passes avec deux joueurs, ou trois joueurs, ou même quatre joueurs. Travaille le shoot en finissant certains de ces exercices par faire du double pas ou du shoot. Un exercice d'opposition. Chacun d'un côté du terrain. La première équipe qui arrivait à 20 paniers gagnait. L'autre devait faire un suicide. C'est l'exercice qu'ils sont en train de faire, où ils doivent courir en respectant des lignes et en sprintant tout du long. C'est la punition classique. On va travailler d'un côté avec Guillaume et d'un autre côté avec moi. On va travailler le système que je vais essayer de vous apprendre. On va appeler surcharge. On travaillera sans défenseur et après vous le pratiquerez en match quand on va jouer l'un contre l'autre. Justement pour pouvoir couper
tout départ en contre-attaque et toute interception. Généralement, la balle peut même revenir de là à là, il va pouvoir attaquer le panier. C'est OK ? Dans l'autre sens, c'est pareil, les gars. Si tu donnes la balle là et que tu coupes, tu as un défenseur qui est ici et tu as ton intérieur qui est là. Donc c'est très compliqué de recevoir la balle là au milieu. Par contre, passez pas devant vos copains. Vous passez dans l'axe, dans le milieu. Vous passez là et vous ressortez ici et vous venez là. C'est OK ? On essaye ? On va le travailler au ralenti. Quelque chose. Si vous le faites pas, ça sert à rien. Si vous écoutez pas, ça sert à rien. C'est que vous n'êtes pas attentif, les gars, d'accord ? Qui va partir ? Alex, tu seras sur l'aile. Et Fred, tu seras sur l'aile. Yamine, tu commences, Noah, tu rentres après. Tu vas rentrer, t'inquiète pas, Noah, tu vas jouer. Mehdi, Jérémy, Noah et André sur le côté. Très bien, Yamine à chaque fois il vient s'ouvrir pour la passe. Bonjour, je m'appelle Mohamed Edouard Kil, je suis joueur en U15 à Vers-sur-Marne. Un ami il m'a demandé de l'accompagner pour jouer. J'ai joué avec lui, ça m'a plu, j'ai continué. Ce qui me plaît le plus, c'est juste jouer avec mes amis. On s'amuse et on rigole bien. Et d'essayer d'aller plus loin en championnat avec l'équipe pour viser les finales départementales. C'était la saison dernière, on était 5 contre 10. Et on a gagné le match 58-56. On était grave joyeux et à la fin, l'entraîneur nous a payé à manger. J'écoute de la musique et je prends une balle et je dribble. Ça m'aide à me concentrer dans le match. J'essaye de me concentrer que dans le match et de bien respirer. Parce que quand tu respires mal, ça te stresse plus et tu joues plus mal. Déjà les Golden State Warriors en NBA et Stephen Curry, parce que c'est un exemple parce qu'il a 36 ans et il est toujours très excellent. Et joue très bien. Wembanyama, il est très bon, mais c'est un nouveau encore. Et du coup, il faut attendre qu'il fasse ses preuves. 1, 2, 3, ensemble!